Et la Bible déclare. And the Bible says. Cette femme vient de faire Jésus. The woman came to Jesus. Et prit le flacon. She took the jar. Brisa le flacon. Broke the jar. Je vais vous expliquer certaines choses. Let me explain some things. Mais la Bible déclare. The Bible says. Cette femme prit ce vase. The woman took the jar. Brisa le vase. Broke it. Pourquoi est-ce que dans les autres évangiles on n'a pas parlé de cela? Why the other gospels are not talking about it? Luc n'a pas parlé de briser. Luke did not say about it. Jean n'a pas parlé de briser. John didn't say break. Matthieu non plus n'en a pas parlé. Neither Matthew. Qu'est-ce que je voudrais que vous compreniez aujourd'hui? What I want you to understand. Quand cette femme a emporté le vase vers Jésus. When she brought the jar to Jesus. Si c'était moi. If it was me. J'ai dit, je veux faire plaisir au Seigneur. I say I'll please the master. Je prends le vase. I take the jar. J'ai dit, Seigneur, si je t'aime beaucoup. Since I love you that much. Prends tout le vase, va, peut-être tu pourras faire beaucoup de choses pour ton ministère. Take the whole jar and you'll do a lot of stuff for your ministry. Ou si je suis aussi un peu cupide. And if I'm a little greedy. Je dis, Seigneur. I say, Lord. Je prends un peu de, je mets sur ma main. I take some in my hand. Je vais te mettre sur le cheveu. I'll pour it on your hair. Au moins j'ai fait quelque chose. At least I've done something. Beaucoup ici n'ont rien fait. Many here didn't do anything. Moi j'apporte mon parfum. I'm bringing my perfume. Et je te mets un peu sur la tête. And I'm putting some on your hair. Non. No. Cette femme l'a pris le vase. The woman took the jar. Elle a brisé le vase. She broke it. C'est-à-dire qu'elle s'est dit tout doit partir pour Jésus. She said everything must go for Jesus. Elle n'a pas dit que non demain est-ce que je vais aller à une fête. She didn't care about tomorrow going to a party. Est-ce que demain je vais faire ceci? Am I going to do this tomorrow? Est-ce que quelqu'un aura besoin? May somebody need that tomorrow? Est-ce que j'en aurai encore besoin? Will I probably need that tomorrow? Elle a dit je briserai le vase. She said I will break the jar. Je ne garde rien pour moi-même. I keep nothing for me. Tout je veux le donner. I give everything. Est-ce que Jésus avait besoin d'autant de parfum? Did Jesus really need all the perfume? Je ne veux pas parler de l'histoire de cette femme. I'm not going to talk about the story of the woman. Je veux juste parler du fait que de ce que la femme a fait. But I will focus on what the woman did. Elle a brisé ce vase. She broke the jar. Qu'est-ce que toi tu peux briser pour le Seigneur? What can you break for the Lord? Qu'est-ce que toi tu peux amener vers le Seigneur et le briser? What can you bring to the Lord and break it? Ce n'est pas le Seigneur qui te demande de faire quelque chose. It's not the Lord asking you to do something. C'est toi qui fais quelque chose pour le Seigneur. But it's you doing something for the Lord. Apporte quelque chose à briser. Bringing something to break. Qu'est-ce que toi tu peux briser pour Dieu? What can you break for the Lord? Qu'est-ce que nous pouvons briser pour le Seigneur? What can we break for the Lord? Nous avons dit la fois passée. The last time we said. Chaque fois que nous allons vers la montagne pour adorer Dieu. Every time we go to the mountain to worship nous God. Nous ne pouvons jamais aller les mains vides. We can never go empty-handed. Abraham est allé avec un sacrifice. Abraham went with a sacrifice. C'est ta femme est allée adorer le Seigneur avec quelque chose. The woman went to worship the Lord with something. Tu ne peux pas adorer Dieu sans un sacrifice. You cannot worship God without a sacrifice. Tu ne peux pas venir dans la maison sans avoir quelque chose à donner au Seigneur. You cannot come in a house without something to give to quand the Lord. Quand tu te prépares le matin pour aller vers à l'adoration, when you get yourself ready to go to worship, tu apportes tes paroles d'adoration. You bring your words of worship. Mais tu apportes aussi un sacrifice. But you also bring a sacrifice. Cette femme pouvait venir juste devant le Seigneur et pleurer et adorer Dieu. She could have just come before the Lord and cry and worship. Elle a apporté un parfum. But she brought a perfume. Abraham pouvait aller vers Dieu. Abraham could have gone to God. Mais elle a, il a apporté son fils. But he brought his son. Il faut un sacrifice pour l'adoration. A sacrifice is required for worship. God doesn't ask you to use them for you, to use them for you. C'est toi qui essaies de prendre ces choses pour les utiliser pour Dieu. You using them to help for God. Pensant que tu peux corrompre Dieu. Thinking that you can corrupt God. Tu peux me corrompre. You can corrupt me. Tu peux corrompre l'homme de Dieu. You can corrupt the man of God. Mais tu ne pourras pas corrompre Dieu. But you never be able to corrupt même God. Même si le pasteur Daniel accepte ton argent. Even though pastor accept your money. Même s'il te loue. Even if he praises you. Même si moi aussi je te loue. Even if I praise you. Mais lui dit brise-le. But God said break it. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore des autels dans nos vies? Do we still have altars in our life? Est-ce qu'il y a encore des statues dans nos vies? Do we still have poles in our life? Dieu demande un comportement radical face au péché. God is requiring us to have a radical position when it comes to sin. Pas de compromis. No compromise. Pas de compromis. No compromise. Le diable accepte. The devil will accept. Qu'on donne 99.99% à Dieu. So that you can give 99.99% to God. Et qu'on lui donne seulement 0.01%. And only give the devil 0.01%. Vous savez, il y a des relations pour lesquelles Dieu ne demande pas de compromis. There are some relationships for which God doesn't need compromise. Un chrétien, une païen, un païen, ce n'est pas de compromis. A Christian and a non-believer, there's no compromise. Il y a des choses qui compromettent les choses. There are things that will compromise. Tu commences à voir un garçon. You start dating a man qui n'est pas ton mari. Who's not your husband? Tu commences à prendre de temps en temps à parler avec. And you're taking time to talk with him. Tu dis que non, c'est juste pour parler. You know, we're just talking. Tu commences à avoir une fille. You start dating a girl.
qui n'est pas ta femme. Who's not your wife. Juste passer du temps. Or just talking. Vous écrire. You're not chatting, texting. Des bonnes choses contaminées. Good things spoiled.